Salut les filles, donc me revoilà. Donc aujourd'hui je reviens pour un haul. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc je reviens tout juste d'acheter mes achats. Je fais vite fait une petite vidéo pour vous faire voir à peu près les achats qu'il y a en ce moment. Donc moi chez Pinky, donc je viens d'acheter cette chemise là. Donc je viens juste de la mettre juste pour vous faire voir qu'est-ce que ça donne. Donc c'est une chemise un peu légère, donc vous voyez un peu transparente, donc à mettre quelque chose en dessous. Donc là vous avez, pardon, vous avez en fait quelque chose de plus court ici. Et ça donne quelque chose de plus long derrière. Donc je trouve avoir comme ça en fait ça fait bien. Quand on la voit directement en fait au magasin, on se dit bof, on va essayer et tout. Et quand on la met en fait ça donne bien en fait. Moi j'ai aimé donc je l'ai prise. Donc ensuite j'ai acheté donc une veste. Donc vraiment. D'habitude, c'est pas trop mes genres de vêtements, mais je me suis dit je vais un peu changer de style. Donc celle-ci, elle m'a coûté, donc c'est un 36, elle m'a coûté 39,99 €. Donc la chemise, par contre, je sais plus combien j'ai mis. Donc elle se porte comme ceci. Donc en fait, elle est très jolie. Voilà, donc elle se porte comme ceci. Vous voyez le rendu en fait. Donc après vous pouvez faire comme ça, comme vous pouvez le laisser en fait comme ceci. Donc après ça donne un peu plus genre avec les petits boutons. Donc voilà. Donc ça c'est pour mon achat de petite veste. Donc ensuite donc la chemise je l'ai achetée donc 15,99 €. Donc voilà. Donc ensuite pour pour les achats de chaussures. Donc je viens de m'acheter ces chaussures là. Donc j'ai trouvé vraiment très jolie en fait pour les fêtes et tout avec des petites paillettes comme ceci. Donc ils donnent vraiment bien en fait sur les pieds. Qui s'attachent en fait en boucle ici en fait on les accroche. Comme ceci là. Vous voyez, c'est les chaussures un peu à la mode là qu'il y a en ce moment. Les modes qui font un peu basket chaussures, quoi. Donc ceux-là, je les ai achetés. Combien? Enfin, mon mari me les a achetés. Donc 28,99 €. Donc ça, c'est dans un magasin chinois. Hein, vous voyez les magasins que vous avez partout. Ensuite, donc j'ai pour homme donc chez Jules. Donc chez Jules, j'ai mon homme qui s'est pris en fait ce genre de pull. Donc c'est un pull gris. Donc il est comme ceci. Ensuite, vous avez ce genre de pull là. En fait, qui se met avec une écharpe. Donc c'est un pull en fait comme ceci là avec les petits boutons et tout. Et il se met avec une écharpe comme ça. Donc on voit pas très bien, c'est bête. Donc après au cou ça fait en fait bien un rond comme ça et puis ça repart en fait sur le côté. Donc l'écharpe elle est comme ça. Donc ça fait un peu simple. Hein. Donc elle lui a coûté 16 € et quel je crois. 16,99 €. Donc ça c'est pour celles qui veulent voir pour leurs hommes. Donc c'est chez Jules. Voilà. J'ai été chez Kiko. J'ai acheté deux bases comme ça. Donc c'est fortifiant, base top coat. Donc ça vous pouvez y aller parce que ça dure vraiment longtemps. Les vernis Kiko comme ça ils durent à peu près pour 7 jours quoi. Donc même plus. Donc vraiment ils sont bien. Donc ça m'a valu 4,90 €. C'est la numéro 100. Donc moi j'ai la 102 et là il y a la 100. Et donc je sais pas par où commencer en fait par les trucs. Donc j'ai acheté aussi un collant comme ça. Donc pour aller avec une robe pour le jour de l'an. Donc voilà. J'ai acheté un rouge à lèvres. Donc c'est le 900, 907.
Donc c'est celui que j'ai sur la bouche. Donc il part un peu dans le corail un peu. Donc je l'ai mis exprès pour que ça aille en fait avec ce haut là. Donc il est comme ça. Et il se présente comme ça. Voilà. Donc c'est le 907 hein, comme je disais. Donc ensuite, j'ai acheté plusieurs vernis. Donc c'était un coffret, c'est le coffret Sugar Matte. Donc vous avez le 458. Donc il fait un peu diamant en fait celui-ci. Il y a plusieurs paillettes différentes. Vous avez le 453. Donc celui-là, c'est un fuchsia. Fuchsia pailleté. Comme ceci. Vous avez un sugar matte, donc c'est le 457 en bleu. Ils sont très jolis en fait, ils sont tous pailletés. Donc je pense que c'est un coffret exprès pour les fêtes, hein, donc qu'ils ont fait ça. Parce qu'il y en avait un deuxième à côté, mais qui ne faisait pas pailleté. Donc celui-là c'est le 456. C'est un vert en fait pailleté. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci, c'est le 452. C'est un rose en fait clair. Ensuite, j'ai celui-ci, c'est le 455. Qui part dans le un peu dans le beige en fait, un gris beige. Ça fait des paillettes un peu mélangées. Ensuite, je fais que des allers-retours. Donc j'ai le 451. Celui-ci, donc celui-là c'est un rose, mais qui fait pâle en fait, un rose pâle un peu. Il est pailleté aussi. Enfin, ils sont tous pailletés dans tous les cas. Donc 451, vous avez celui-ci qui c'est un violet. Donc c'est 454. Franchement, je suis vraiment satisfaite des vernis parce qu'ils sont très jolis. Donc après, c'est à voir, vous voyez, tous ces vernis-là dans un coffret. Donc plus la base. Donc ensuite, donc, chez H&M, donc, j'ai acheté des collants pour petites filles, donc pour celles aussi. Donc en fait aujourd'hui je vais faire un haul sur tout en fait, petites filles, les hommes et les femmes. Donc 6,95, donc un collant qui est pailleté. C'est bête qu'on ne voit pas trop bien en fait sur la vidéo. Donc voilà, j'en ai pris deux pour mes filles. J'ai pris donc un pull comme ça, avec des petits boutons argent or en fait. Donc ils sont à 9,95€. Voilà. Et c'est un bleu marine. Pour aller avec. Donc ça c'est des affaires pour le jour de l'an. Donc 9,95€ avec cette petite robe là. Donc c'est une robe pailletée comme ceci avec un petit nœud. Qui est très joli en fait. On va bien voir. Le petit nœud là. Elle est toute pailletée en fait bleue. De partout, donc pour aller avec les collants. Ensuite, donc j'ai pris ça pour ma dernière, donc qui est à 5,95. Donc le chiffre 94. Voilà. Ensuite, elle qui aime bien Hello Kitty, la petite. Donc j'y ai pris une petite robe Hello Kitty, comme ça. Donc à 12,95. Vous avez donc un dernier gilet en fait, comme ça, un simple. Donc ça c'est pour aller avec d'autres affaires. Vous avez aussi pour la petite à 9,95. Donc après il y a toutes sortes de tailles pour les petits. Hein. Donc ce petit pantalon là. Et vous avez la petite couture rose qui fait joli en fait dedans. Donc c'est un bleu marine. Donc, vous avez aussi un pull comme ceci,
Donc il est 9,95 aussi. Et vous avez un petit nœud aussi papillon là, sur le côté. Donc après, il y a des petites paillettes aussi dorées, qui sont très jolies aussi. Vous avez aussi, donc ça c'est à 12,95, un pantalon. Donc léopard. Donc le derrière, il est comme ça. De toute façon, H&M, ils font tous les mêmes coupes en général. Donc, les pantalons, vous avez les poches là. Vous avez même le petit truc qui fait bling bling un peu là, le petit bouton. Donc, c'est à peu près tout le temps la même chose qu'ils font, mais de couleurs différentes ou d'imprimés différents. Donc, pour ma deuxième, j'ai pris la même chose que la robe bleue que vous avez vue tout à l'heure. Mais en couleur, ça fait un peu kaki rose. Donc avec des paillettes partout aussi, qui est à 9,95 aussi. Et ensuite, un petit gilet, donc 9,95 aussi, donc le même gilet que le bleu tout à l'heure, mais en rose. Voilà, donc, chez Foot Lockers, donc pour hommes, vous avez en ce moment donc ces t-shirts là. Donc il fait avec des tags. Donc, mon mari aime beaucoup en fait ce genre de tags et tout. Donc il a pris ça. Donc c'est une Adidas. Et écoute, si c'est marqué. Non, c'est pas marqué le prix sur celui-là. Donc voilà, c'est celui-ci. Et donc voilà, j'ai le ticket de caisse. Donc ça m'a fait 29,99€. Donc pour les deux. Et vous avez celui-ci aussi qui est un peu plus joli, je trouve, en fait, avec des couleurs et tout. Donc, pour ceux qui aiment les tags, hein, pour les hommes. Et c'est un Nike. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui aiment. Donc, je pense que j'ai fait le tour de mes achats, je pense. Donc voilà les filles, donc c'était juste une petite vidéo et j'ai essayé de faire court. Bon là on est à 12 minutes 22, donc là je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite et j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à aller voir au magasin, vous allez voir plein de trucs, de toute façon c'est bientôt les soldes donc vous allez en profiter. Donc je vous dis à très vite les filles et puis pour une autre vidéo et de gros bisous. Ah oui les filles, donc j'ai oublié de vous faire voir ça. Mon sac, donc le sac c'était mon dernier article, je me disais bien que j'avais oublié un article en fait, donc il se porte comme ça, ou alors vous pouvez l'avoir en fait sur l'épaule directement comme ceci. Donc moi c'est, j'ai trouvé très joli en fait avec le petit cœur, les petits breloques en fait comme ça, vous avez plein de breloques comme ça, avec le G ici qui fait très joli aussi en couleur or. Donc voilà, c'est un sac tout noir, donc il donne ça comme effet. J'aime bien aussi la finition en fait des petites fermetures. Donc avec leur marque et puis leur petit truc, en fait, leur petit dessin. Ça change en fait. Là derrière vous avez la même chose, une petite pochette en fait avec la même chose, une petite fermeture comme ça. Donc elle m'a coûté 24,99€. Donc c'est la marque Galanti Paris. Donc c'est pas une grande marque, hein. Je dis la marque parce qu'en fait c'est ce qui est marqué dessus. Donc c'est un truc pas trop cher qu'on achète dans les magasins chinois, indiens, tout ça. Donc c'est suffisant pour moi. Donc moi tous les petits sacs comme ça qui sont pas trop chers, je peux en acheter plein en moins et j'ai pas besoin d'une grande marque, d'un sac qui coûte je sais pas combien. Alors que je peux en profiter. Ça va me saouler en fait d'avoir tout le temps le même parce que j'aime bien changer de temps en temps de sac, donc comme toutes les filles en général. Donc juste des petits sacs pas trop chers, 10€, 20€, 30€, ça suffit quoi pour moi quoi. Donc voilà. Donc c'était mon petit dernier article. Donc désolée, j'avais complètement oublié de le faire voir. Je me disais j'avais oublié de faire voir un article. Donc je vous fais de très très gros bisous les filles et puis je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, pour celles qui ne sont pas abonnées, abonnez-vous, n'oubliez pas. Et likez surtout aussi, donc pour dire, et puis commentez si vous aimez ou si vous ne aimez pas. Hein. Vous avez le droit d'avoir des gens qui n'aiment pas, des gens qui aiment. Donc voilà, c'est normal, c'est la vie comme je disais. Donc je vous fais de très gros bisous et puis de très bonnes fêtes à tous. Voilà, gros bisous encore et bye bye.